Et bonjour, bonjour et rebonjour, donc circuit training du 24 avril 2020. Cohérence cardiaque 5 minutes, puis salutation au soleil B. On va commencer par 5 jump sit-up, enchaîné de 10 push-up down, puis 10 burpees, 20 rameurs, puis 15 sumo jump et 25 montées de bassin. Là-dessus, vous récupérez 60 à 90 secondes, donc 1 minute à 1 minute 30 max. Et vous enchaînez ce circuit 3 fois. Il est court, il est relativement intense, mais on est dans la réoxygénation. On a quand même une très grosse semaine, je vous l'accorde. Et puis demain pendant le direct, il faudra tout donner. Ensuite, on va terminer par un Crazy Rabbit Air. Jump sit-up et burpees, hein, à la mode pyramide. Un jump sit-up, un burpees. 2 jump sit-up, 2 burpees. 3 jump sit-up, 3 burpees et 5 fois un jump sit-up, un burpees. Donc 5 fois jump sit-up, burpees, jump sit-up, burpees, jump sit-up, burpees, jump sit-up, burpees. Et ça, c'est enchaîné. On ne récupère pas. D'accord? Donc pour commencer, il y en a des jump sit-up aujourd'hui. Vous êtes bien échauffé, hein, cohérence cardiaque, salutation au soleil. Vous vérifiez un peu votre bassin, hein, quand même. Je vous rappelle, hop là. Voilà. Oh. Bien qu'on soit déjà échauffé, partir sur les jump sit-up, c'est particulier. Ok. Hop. Sauter un peu sur place. Tout doucement. Le premier jump sit-up, c'est toujours une petite surprise. On enchaîne sur les jump sit-up. Vous savez que c'est quelque chose de très explosif. Il faut faire un peu attention au dos. Il faut exploser, hein, sur cet exercice. On travaille aussi bien au niveau des fessiers, des jambes, du cœur bien entendu. Il y a un équilibre à se jouer aussi, hein. Il y a un équilibre qui se joue au niveau de la ventilation. On va bloquer sur la roulade. Donc je vais vous le faire relativement lent pour que vous le voyez bien, qu'il soit découpé. Mais ça ne peut pas aller trop doucement non plus parce qu'autrement, je ne vais pas réussir à assez rouler pour repartir sur l'avant. Donc le jump sit-up, c'est quelque chose de dynamique, mais c'est aussi musculaire. Il y a un travail vraiment de coordination particulier. Donc je suis dans cette position. Attendez, je vais me mettre plutôt par là, voilà. Il faut jouer entre le soleil et le cadre. D'accord. Donc le jump sit-up, vous pouvez partir soit dans cette position comme ça et vous exploser d'un coup, soit vous partez comme ça. Moi, je vous propose de partir vraiment bien chaud. Donc comme ça, jump, on y va, on part sur l'arrière, si, et on revient, d'accord? C'est quelque chose de dynamique, il faut jouer sur l'envoi de façon à repartir sur l'avant, d'accord? Jump, si, et d'accord? Bien entendu, la remontée, il faut qu'elle soit rapide et dynamique aussi. Jump, si, et d'accord? Et on enchaîne, très bien. Vous en avez 5 à faire. Quand c'est fait, on passe à 10 push-up diamond. Donc on vient ici, soit genou posé au sol, soit en position normale. On prend bien les diamonds ici et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand vous avez fait ça, on enchaîne sur 10 burpees, ok? Donc vous faites attention à vos burpees, vous les faites très propres dans cette position, hop, 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 d'accord? Et 2, et 3, et 4, et 5, vous en faites 10. Quand c'est fait, vous passez à 20 rameurs. Dans cette position ici, vous les connaissez. Vous attaquez là et 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Vous partez bien sur l'arrière, vous revenez. Comme ça, bien propre. Il y en a 20 à faire. Quand c'est fait, vous enchaînez sur 15 sumo jump. Je vous rappelle, les squats sumo, c'est ça, on descend bien. Et là,
Hop, on saute. Hop. Hop. L'écart est important, hein. On n'est pas en squat comme ça. On est vraiment en sumo. On en a 15 à faire et on termine par 25 montées de bassin. Je vous les montre de côté. Voilà. Donc je suis dans cette position. Ici, je pose les bras au sol. Et voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous en avez 25 à faire. Quand vous avez terminé, vous récupérez donc 60 ou 90 secondes. Selon que vous êtes en forme, fatigué, vous avez besoin de récupérer aujourd'hui. Vous vous hydratez et vous repartez pour un deuxième circuit et un troisième circuit. Vous allez voir, ce n'est pas très long hein, aujourd'hui. On va travailler 40 minutes maximum. C'est une certaine intensité parce qu'on saute, donc jouez le jeu. Partir sur les jumps sit-up d'entrée, ça va vous chauffer. Les burpees, bien sûr, vont vous mettre d'accord. Alors attention, les burpees, je sais que vous les adorez. Il faut y mettre du rythme. Donc, j'ai tourné mon tapis pour pouvoir vous montrer la dernière série du Crazy Rabbit Air. 1-1, vous avez compris, hein, un jump sit-up, un burpees. 2 jump sit-up, 2 burpees. 3 jump sit-up, 3 burpees. Par contre, sur la dernière série, il y en a 5 à enchaîner et c'est 1 et 1. 1 jump sit-up, 1 burpees. 1 jump sit-up, 1 burpees. Donc, pour vous faire la démo, je me mets ici. Ok, je commence par le jump sit-up, d'accord? Jump. Hop. Et une fois que je suis ici, je viens là et je fais mon burpees. Hop. Ok. Et là, j'enchaîne. Jump sit-up, burpees, jump sit-up, burpees. Là, je n'ai pas trop la place de vous le faire de façon à ce que vous voyez comment ça fonctionne. Mais par contre, jump, sit, up, jump, sit, up, jump, sit. Burpees. Ah, raté. Up. Sit. Arm. Trouvez l'espace pour pouvoir faire cet exercice. Il est un peu particulier. Il vous faut un peu d'espace. Et voilà. Je vous souhaite un très bon entraînement et je vous dis rendez-vous ce soir.